Dépendamment du début de saison, les objectifs pour le moment, c'est de prendre match après match. On a quelques difficultés dans notre effectif par rapport à des blessés précoces en début de saison. Donc là, pour l'instant, on reconstruit notre collectif et voilà, essayer d'aller le plus loin possible. De toute façon, ça reste un championnat très ouvert, donc on essaie de jouer au maximum. On est compétitrice, on essaye toujours de faire de mieux en mieux. C'est clair, après, là, sur le début de saison, on a rencontré, comme vous l'avez dit, un calendrier compliqué. Donc mettre en place notre jeu, se retrouver, prendre beaucoup de plaisir. Et après, on verra ce qui se passe par la suite. On verra ce qui se passe par la suite. De se retrouver dans une victoire. Après, voilà, la victoire à Bobigny à l'extérieur nous fait énormément de bien dans les têtes. Après, voilà, on veut continuer sur cette dynamique-là et continuer à enchaîner les victoires au maximum. L'avenir du Stade Rennais, il est forcément radieux. On a un collectif, on est une famille. On a un groupe qui est très fort. On base beaucoup là-dessus. Ce sont des filles qui aiment le rugby, qui aiment se retrouver tous les soirs pour aller à l'entraînement. On a des cadettes, on a une équipe 2, on a énormément d'effectifs en équipe 2 cette année. Donc voilà, c'est très dynamique dans la région, malgré le nord de la France.